Lonely Boy dans mon jukebox, je mettais trois fois la même pièce. Puis les gens disaient rien parce que c'est un hit énorme à ce moment-là. Mais moi, je viens vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu. J'étais tout jeune, j'avais 10-11 ans. C'est la naissance de la pop musique, mais moi, je ne le savais pas. C'est Paul Anka. Allô, ici Claude Saucier, animateur à Ici Musique, à l'émission C'est si bon. Je suis à la fin des années 50, j'habite sur une ferme. La radio joue constamment, puis la radio de cette époque-là nous mélangeait tous les genres. On avait évidemment les vieux hits américains de Dean Martin, de Sinatra et compagnie, de Doris Day, mais on avait aussi mélangé à ça les compagnons de la chanson, Edith Piaf, Léo Ferré, puis un petit peu plus tard, Gilles Vigneault, puis Claude Léveillé, puis Ferland, puis bon, on avait tout ça mélangé dans la radio, la même radio. Moi, ça me rentrait des oreilles. Puis quand j'ai eu 10 ou 11 ans, il y avait des choses qui me plaisaient plus que d'autres, puis j'entendais tout à coup Paul Anka chanter à la radio. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms. Je trouvais que c'était beau, mais on n'avait pas d'appareil pour écouter ça fort chez nous. Alors, le dimanche après-midi, sur la ferme, j'avais congé en été. Alors, je prenais mon vélo, ma bicyclette, puis j'allais au village voisin, j'allais à Yamachiche, où j'avais découvert une sorte de petit comptoir lunch, là, vous savez, avec les banquettes en vinyle, les sièges en rond le long du bar en vinyle aussi, mais il y avait surtout dans le coin un jukebox. Ça, là, les gros Wurlitzer en couleur avec les lumières qui flashent, puis on mettait 25 sous, puis on avait trois chansons à choisir. Puis là, le son qui sortait de là, là c'était « woum, woum ». Lonely Boy dans mon jukebox, je mettais trois fois la même pièce. Puis les gens disaient rien parce que c'est un hit énorme à ce moment-là. Puis j'ai compris aujourd'hui pourquoi. Parce que c'est une chanson qui est martelée, qui est puissamment chantée avec une orchestration qui n'avait pas trop dans la pop à cette époque-là. Ça naissait la pop avec, à mon avis, en tout cas avec Paul Anka. Et je ne comprenais pas les paroles, mais je les ressentais. Qu'est-ce qu'il dit? « I'm just a lonely boy, lonely and blue. » Je suis juste un garçon tout seul qui s'ennuie, puis j'ai rien à faire. C'est ça qu'il disait. Puis la façon dont c'était martelé, c'était extraordinaire. Alors pour moi, ça a marqué une partie de ma vie musicale, surtout avec le jukebox.